Yo les potes, nouvelle boutique du 29 février 2020. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté le skin Lapileo, j'ai fait un gameplay avec ce skin. N'hésitez pas à aller le voir. Et donc c'est parti. Le petit décompte, le code NSQ dans la boutique. Et du coup, le nouveau skin. Alors je sais pas s'il est nouveau, attendez, on va regarder. Ouais, il y a bien marqué nouveau. Donc voilà, le petit skin en rossignol au prix de 1200 E-Bucks. Ok, c'est clairement un hacker un peu robot. Les lunettes très belles, là il a un petit truc qui sort de la tête. Ok. La petite pioche, décodage, au prix de 800 V-Bucks. Bah, par contre, elle mérite pas 800 V-Bucks. 500, waouh, désolé. Le petit skin Léo Lama, au prix de 1500 V-Bucks. Le petit skin Lapileo, que je possède du coup, 1500 V-Bucks. Et Néo Nimal, au prix de 500 V-Bucks. Est-ce que ça règle le problème? Ouais, non. Regardez, ça change rien, ça bouge pas. Le skin Rapace, au prix de 2000 V-Bucks. Pourquoi il y a la version d'Halloween? Ils sont pas censés la mettre que à Halloween, la version Halloween. Bon, tant pis. En tout cas, le skin en version luisant comme ça, obscur, il est magnifique. Sac à dos, pas ouf. Vélocité au prix de 2000 V-Bucks. Qui aura peut-être la même custom que Rapace d'ailleurs. Elle serait magnifique. Bombardier au prix de 1200 V-Bucks. Boisson soif au prix de 1500 V-Bucks. Ok. Et c'est tout. Ensuite, on a l'agent double au prix de 1200 V-Bucks avec le petit coquillage. Le tatou qui revient au prix de 800 V-Bucks. Ok. Son des îles au prix de 500. Fièvre disco au prix de 800. Dos crawlé au prix de 500 V-Bucks. Et pour finir, ligne de code au prix de 500 V-Bucks. Oh, il est pas mal celui-là. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et pensez au code créateur NSQ dans la boutique. Allez, ciao!